Bonjour Yann. Salut Monique. Bienvenue dans la cabane du Festival du Bois. On est bien dans ta cabane. Oui, t'as l'air bien dans la tienne aussi. Oui. Ben écoute, cette année, comme tu sais, le thème du Festival du Bois, ben c'est la danse du 2 mètres carrés. Et puis, ben j'étais curieuse de savoir, moi, c'est quoi qui te fait danser? C'est quoi qui te rend heureux, qui t'apporte des petits bonheurs dans le moment? Ben écoute, là, je suis vraiment dans une cabane parce que quand je disais que je suis confiné, c'est que je viens d'arriver des États-Unis où j'habite pour aller au Québec pour justement me préparer à faire ce beau spectacle-là pour le Festival du Bois. Donc, je suis forcé à être confiné pour une dizaine de jours. Donc, j'ai littéralement un peu plus que 2 mètres carrés, mais quand même, ça va pas beaucoup plus loin que moi. Donc, je dirais que je vais te présenter ma meilleure amie. C'est ma bûche ici qui réchauffe mon cœur et l'âme, qui me réchauffe l'âme dans ces jours de vie à côté du foyer. Puis sinon, ben, ce qui me fait danser vraiment, c'est l'idée de faire de la musique avec mes collègues, avec Genticorum, que j'ai pas vu depuis un an maintenant, parce que j'étais aux États-Unis, j'étais ici, évidemment, les voyages étaient limités. Puis, écoute, Monique, j'ai un invité spécial pour toi, si tu veux. Je sais que la danse du 2 mètres carrés, c'est important. Puis moi, je suis pas un grand spécialiste de la danse du 2 mètres carrés, même si je suis dans ma petite cabane. Mais j'ai avec moi, pas très loin, une petite surprise. J'ai un grand danseur de 2 mètres carrés. C'est un autre membre de Genticorum qui fait... Oh oui! qui fait une apparition surprise. Il a pas le droit de rentrer dans la maison comme je suis en quarantaine. Mais voilà Nicolas. Je te présente Monique. Nicolas. Que tu vas avoir hâte, que tu as hâte de retrouver tes complices de Genticorum. On vient de voir Nicolas danser, mais il y a aussi Pascal que tu dois avoir hâte de retrouver. Absolument, Pascal Gem, le violoneux du groupe, qui lui fait une danse du 2 pouces carrés parce qu'il joue son violon puis il tape du pied en même temps, donc c'est lui qui est toujours en fait en train de danser. Il va jamais loin, il fait pas autant d'aller-retour que Nicolas. Mais c'est lui qui danse le plus dans notre spectacle, même si c'est du confort de son trône. Ben, on va avoir du plaisir à regarder ce spectacle-là. Merci beaucoup, beaucoup, Yann Falquet de Genticorum. Et puis, bonne continuation, puis beaucoup de plaisir, puis de petits bonheurs dans ton 2 mètres carrés avec ta bûche, ta bonne amie. Ben oui, écoute, on a vraiment hâte au Festival du Bois, moi puis ma bûche. Puis Monique, c'est un plaisir de jaser. On se reparle bientôt. Parfait, merci.